La galerie d'art Al Yasmine abrite une exposition collective intitulée « La peinture algérienne dans sa diversité ». Une pléiade d'artistes de diverses régions d'Algérie, comme Saganem, Constantine, Annaba, Alger, y prennent part. Une initiative de Lies Khlifati, propriétaire de cette galerie. L'exposition collective de la galerie Yasmine, c'est un rituel au niveau de la galerie Yasmine. C'est la troisième année consécutive qu'on organise une exposition au Ferenbahn. Et cette exposition qui rassemble une quarantaine d'artistes venus de territoire national, de l'intérieur. Il y a une bonne équipe de mes amis de Mostagana. Il y a aussi Massika Malhoula de Constantine, il y a Janet de Annaba, il y a Al-Abbas aussi, il y a Alger, beaucoup d'Algérois. Et cette exposition, elle commence aujourd'hui à partir de 22h et elle terminera le 9 juillet, ce qui fait dans un mois. La caméra d'AP était présente pour partager avec vous l'ambiance de cette soirée. La crème des artistes plasticiens de la peinture algérienne contemporaine s'exprime à travers des œuvres originales et hautes en couleur. Le vernissage organisé dans la soirée du 9 juin a drainé de nombreux visiteurs. Chaque artiste, on lui a donné un espace qui représente entre 2 et 3 œuvres d'art. Et voilà, on a donné la chance à tout le monde pour cette, vraiment, moi je dirais que c'est un événement vraiment spécial. Parce que regrouper 40 artistes plasticiens dans une galerie, c'est vraiment c'est extraordinaire. Et puis, c'est le rituel de Ramadan, c'est chez nous, à Alger, de regrouper des amis. Et c'était avant aussi, on a mangé ensemble. Tous les artistes, voilà, une dizaine, on va pas dire tous les artistes, qui sont venus de Mostar et un peu de Annaba et de Constantine. Et voilà. Série Tablachi. Dahel Jennet, Ahmed Stambouli, Moussa Bourdine, Karim Sergoua, Souhila Belbahar, Noureddine Chegran, Mansouf Guita et Mohamed Oulhassi, une quarantaine d'artistes plasticiens exposent leurs toiles au grand bonheur des amoureux de l'art. J'entame une carrière de peintre pendant presque. Déjà presque une vingtaine d'années. J'ai réalisé plusieurs expositions. Chaque fois une nouvelle thématique, une nouvelle approche. C'est une autre vision à l'œuvre, c'est-à-dire orientaliste de Lacroix par exemple, ou de Digné, ou d'un Picasso, mais algérianisé. Donc j'ai fait après, avec une certaine transgression aussi, parce que mon style vire vers une abstraction expressionniste. Donc j'utilise beaucoup de couleurs. La forme humaine est presque une forme, c'est-à-dire je la traite avec presque une monstruosité, mais c'est beaucoup plus un climat ou une atmosphère plutôt onirique que je veux représenter. Je représente beaucoup plus le rêve. C'est-à-dire, j'aime présenter mes rêves. J'aime exprimer, par exemple, une situation, un monde. Bon, là, je travaille sur l'esprit, l'art mural. Là où il y a les enfants, l'art de l'âme. Là où les enfants jouent, dessinent involontairement, ils font des choses. Moi, je m'inspire de l'art, de ce qu'on appelle l'art de l'âme. Et comme je suis peintre, les gens dans mon esprit, moi aussi, je joue comme l'enfant. L'enfant de 4 ans, de 6 ans, je joue la même chose. Bon, je compose à ma façon, mes couleurs à ma façon, l'esprit graphique à ma façon. Je rentre. L'esprit graphique, c'est comme ce qu'on appelle l'expression libre. Voilà, je rentre dans cet esprit, ce qu'on appelle un graphisme primitif. Je joue les deux, entre un primitif, un archaïque et l'enfant. Là, j'expose dans cette galerie aujourd'hui. L'exposition est tellement riche, intitulée La peinture algérienne dans sa diversité, dans sa troisième édition. J'expose avec mes collègues, mes amis artistes, à l'occasion de la journée de l'artiste. Là, j'expose mes peintures. Donc, je travaille surtout sur la femme, sur le patrimoine immatériel. Et là, donc, la foule, les gens. Donc, moi, je suis né dans une famille nombreuse. Donc, j'aime bien peindre les gens, la foule, les groupements, les regroupements et tout, les souks, je travaille toujours dans le patrimoine immatériel, les souks, les wahdat, les zawiyat, ainsi de suite.
et là aussi je travaille sur l'exode, l'immigration. C'est un problème, c'est un fléau, c'est un thème d'actualité, donc je travaille beaucoup sur la femme, qu'est-ce qu'on endure comme misère, comme souffrance et tout et tout. Et on, voilà, donc il y a toujours la présence de... Je travaille sur l'humain, ce qui m'intéresse le plus c'est l'humain qui m'inspire beaucoup plus. Aquarelle, peinture symbolique ou abstraite, estampe, chaque artiste se distingue par son propre univers. Ces toiles chamarrées sont à découvrir à la Galerie d'art Al-Yasmine d'El Ibrahim. L'exposition se poursuit jusqu'au 9 juillet. Profitez-en.